Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour de cartes très facile à réaliser, mais vraiment très intéressant au niveau de la construction de la routine. Je pense que vous allez adorer. Et ça sera vraiment un tour à réaliser de façon impromptue à tout moment grâce à un jeu de cartes. Allez, comme d'habitude, la démo. Et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo de ce tour, et pour ce faire on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes qu'on pourrait mélanger. Et avant de commencer, ce que je vais faire c'est qu'on va mettre une carte prédiction juste ici. Et là normalement je demande à un spectateur de choisir une carte, celle de son choix, il me la cite parmi les 52 cartes possibles. Il me cite sa carte et on utilisera celle-là, d'accord? Donc imaginons ici on va prendre, je sais pas moi, disons la dame de trèfle, vraiment hein, ça aurait pu être n'importe quelle carte, il n'y a pas de préparation, je m'arrange pas pour le tour, hein, vraiment. Donc imaginons dame de trèfle. Et en fait, en faisant ce tour, je me suis rendu compte que la plupart des spectateurs, parmi toutes les cartes possibles, il n'y en a aucun à chaque fois qui choisissait les jokers. Je sais pas, les jokers ne sont jamais choisis. Alors, il y en a un, je les cherche là, le premier, ah voilà, le deuxième. Un et deux jokers. Alors, ils ne sont jamais choisis, les jokers. Je ne sais pas pourquoi. Ici, par exemple, la carte, ça a été la dame de trèfle. Ça aurait pu être n'importe quelle carte du jeu. Pourtant, le spectateur aurait choisi, par exemple, la dame de trèfle. Ça serait fort que ma carte prédiction que j'avais mis au départ de côté et que je viens de placer entre mes deux jokers soit la dame de trèfle. Et bien sûr, tout est examinable, il n'y a rien à voir et ça aurait pu fonctionner avec n'importe quelle carte citée par le spectateur sans aucun forçage. Et ça, c'est fort. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura donné envie de connaître le secret de ce tour. Si c'est le cas, vous avez la vidéo explicative dans la description. Comme d'habitude, le commentaire, le pouce bleu, les réseaux sociaux. Mon école de magie, www.magistreaming.fr, la seule école de magie gratuite en ligne pour apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces. Le tour accompagné de tours expliqués ainsi que la plateforme de VOD. Et ceux qui voudraient me soutenir, n'oubliez pas que vous pouvez souscrire à Tuto Magie Premium directement sur YouTube pour avoir accès à du contenu exclusif comme des tours expliqués, des vidéos exclusives, des emojis personnalisés, le petit badge à côté de votre pseudo et la possibilité de participer à un concours tous les 15 du mois réservé aux membres, ce qui accroît les chances de gagner le concours. Bref, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!